quatre reporters de l'extrême enquêtent la disparition de deux étudiants. Ceux-ci semblent s'être volatilisés dans un des parcs de la ville alors qu'ils enquêtaient sur le mystérieux Slenderman. Les gens d'Urbain, jusqu'à un véritable mythe. En suivant leurs traces, ils ont trouvé de mystérieuses figurines de Brandy qui sont dotées d'un pouvoir hypnotique. Ils semblent en avoir partout dans les environs, aussi bien dans la nature que sur le campus de l'université. Dans la chambre d'un des disparus, ils parviennent à localiser son téléphone portable dans une cabine mise à l'ébroi. Ils décident de s'y rendre. Effectivement, vous trouvez cette cabane qui est pas très loin qui est un peu sur le bord du chemin, donc vous garez pas trop loin. Et vous marchez, et c'est vraiment très glauque parce qu'il y a l'orage qui commence à gronder, il pleut, il y a des éclairs. Ça s'alterne, de temps en temps les bois sont éclairés par les éclairs, vous avez l'impression de voir des formes un peu partout, quoi. Chaque fois qu'il y a des ombres, vous avez l'impression de voir quelque chose dans les ombres, quoi. C'est vraiment. Vous le voyez partout, quoi. Un coup en haut, un coup en bas. Vous n'êtes pas sûr est-ce que vous l'avez vraiment vu, vous l'avez pas vu, vous savez pas. Mais vous voyez des choses partout, donc c'est très sombre, et vous arrivez à cette espèce de petite cabane, mais vraiment c'est minuscule, quoi. C'est l'équivalent d'une pièce, quoi, une cabane. Qui est pas vraiment abandonné sans être vraiment entretenu non plus quoi. C'est du bois un peu voilà, c'est du bois un peu pourri, un peu mouillé, mais bon qui est encore en état de tenir quoi, un peu vermoulu. C'est un endroit qui sert encore aux randonneurs, aux promeneurs ou les choses comme ça, mais qui gagnerait à être un petit peu rénové, quoi. Du coup, si on est à l'extérieur et qu'on a le van pas trop loin, moi je Ouais. vais allumer tout le matos nécessaire, détecteur de mouvement, caméra, ce genre de choses pour voir si on a la même problématique qui se réitère en fait que tout à l'heure. Non, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de grésillement, il n'y a pas de machin. Alors, par contre, le détecteur de mouvement a beaucoup de mal parce qu'avec la pluie, les arbres qui bougent, le temps qui vont, j'ai l'impression que ça bouge de partout, quoi. Et on va mettre Donc, je sais pas si. également une caméra sur un trépied en plan fixe Ouais. qui va filmer le chalet en fait. D'accord. Mais non, mais à tous les coups, il s'est enfoncé dans la forêt. Ça sert à rien de poser un trépied ici. On sait jamais, on va aller jeter un œil là-dedans. Si t'as trouvé une localité GPS, c'est bien qu'il y a. De toute façon, il lui faut un maximum d'images. Hein. Bah, on n'aura pas d'image hein, si on s'approche des démons. Ouais, enfin, le Dites-moi. démon, faut le dire vite. Mais... Alors Bon, dites-moi. allons-y. Vous. Dakota, vous êtes le plus courageux. Avancez Oui. en premier. Vas-y, passe Moi, devant. pendant que vous étiez en train de préparer tout ça, j'étais en train de préparer des petits sacs de sel pour me faire des espèces de petites frondes. J'ai mis des petites herbes séchées, La fronde de sel. un petit Un peu peu de thym, un peu de de calmut glacé. romarin, un peu de laurier. Exactement. Et du thym, c'est bon pour la respiration. Je tends mon calumet à Julian Cross. Je le prends. Je tire un coup sur la pipe. Très bien. Voilà. Tu ressens un peu une. Comme si ton esprit un peu s'éclairait et une certaine lucidité t'envahir. Et je gagne un point de ressource. J'irai pas jusque-là. Bien J'irai essayé. pas Ah, merci, merci. Eh, rien que pour le roleplay, moi, je te l'aurais donné. jusque-là. Non, mais... Bien essayé aussi. Allez. Après, si tu veux Allons-y. faire une petite sieste dans le van au milieu des bois et la nuit se passe bien, tu récupéreras ton point de ressource, hein. Non, c'est bon, c'est bon, Allons-y. je vais rester. Eh ben vous faites quoi? Vous rentrez, vous faites le tour, vous. Bah ouais, Ouais, je vais actionner Alors oui. la poignée, moi, pour voir si c'est ouvert déjà. Non, non, Et. moi je fais le tour en balançant un peu de sel Très et en bien. incantant des trucs. Bah pendant que l'autre fait le tour en faisant oh, en faisant le machin, toi tu ouvres la porte, effectivement elle n'est pas du tout verrouillée, il n'y a même pas de serrure à cette porte là. Tu ouvres la Ok. porte, et ben elle s'ouvre.
Je vais balayer la pièce avec la lumière et activer la vision nocturne du coup sur les caméras. Tu cherches un peu, tu fouilles un peu, et puis tu vois dans un coin un peu coincé entre deux lattes, parce que les lattes sont un peu vermoulues, donc il y a des trous dans les lattes. Tu vois coincé entre deux lattes, tu vois le portable de Vic qui est coincé entre deux lattes, et juste à côté, il y a une figurine en brindille qui est posée. Ok. Voilà. Ouais, je vais la choper juste avec le. En enveloppant ma main dans le tissu. En enveloppant ma main, pardon, dans le tissu de ma manche, du coup, pour pas la toucher. Très bien. Et puis je vais la récupérer. Parles de la figurine ou du téléphone portable? Je récupère le téléphone portable dans un Très premier bien. temps et ensuite la figurine, je la récupère. D'accord. Très bien. Et je vais dire à mes collègues, y a rien Ah, attends, il y là-dedans. a comment ça s'appelle Dakota, pendant que tu fais le tour, tu vois qu'à l'extérieur, il y a un petit local en bois qui a collé à l'édifice et qui contient un générateur électrique. Ah ben, j'y vais. De toute façon, c'est ce que j'allais te dire. C'est, je voulais percevoir tout autour si je voyais pas des traces de pas ou des. Enfin, en même temps, cela pourrait Pas un être local, compliqué. c'est un coffre quoi qui est collé au machin quoi, ça. Cette espèce Ben, de coffre. je l'ouvre et puis je regarde. Enfin, j'essaye de le brancher, quoi. Tu mets Pour en lui marche le remettre en générateur marche. électrique? Ouais. Louise, toi, tu es à l'intérieur et brusquement la lumière s'allume à l'intérieur de la cabane. Il y a plusieurs ampoules qui sont accrochées au plafond qui s'allument et Ok. tu y vois beaucoup mieux. C'est mieux. Le grand Qu'est-ce que esprit vous t'a faites, vous? éclairé. Bah du coup, vu que j'y vois mieux, je regarde dans la pièce, hein, puisque je suis seul. Bon, il n'y a vraiment Je pas grand-chose. scrute la Tu es pièce. rentré tout seul? Il y a des autres personnes qui t'ont suivi? Bah, y a Coco Coco? avec. Coco, ouais. Bah, vous êtes en fait dans une pièce qui est très vide, quoi. Il y a genre une espèce de banc qui peut servir à la fois de banc pour s'asseoir ou de lit pour s'allonger, un peu ce genre de choses. Une table dans un coin avec deux chaises, et puis le bois, le sol est un peu vermoulu, faut faire gaffe, vous y allez prudemment pour pas trop vous enfoncer. Maintenant, si vous enfoncez, c'est pas bien grave parce que dessous, le sol est à 3-4 cm dessous, c'est pas non plus, vous n'allez pas vous blesser, mais il y a quasiment rien quoi. Il y avait tout ce qu'il y avait dans cette cabane, c'était juste hein, le téléphone et la petite figurine en brindille. Bon, Okay. moi Tiens, Coco, je rentre dedans. mon Et téléphone dehors, du il gars, pleut de du coup. plus en plus dehors. Hein. Tu veux jeter un Ouais. oeil? Ouais, je vais jeter un oeil. Moi, je vais me D'accord. griller une clope, du coup, en attendant Une dans la clope. cabane. Hein. D'accord. Coco va regarder le téléphone. Une clope. Dakota et Julien, vous faites quoi? Vous êtes rentrés? Vous êtes toujours à l'extérieur en train de Moi, vous mouiller? je regarde un dernier coup avant de rentrer dans la cabane. C'est-à-dire. Voir si je... bah, c'est-à-dire que voir si tout autour il y a pas du mouvement quoi. Ben, c'est difficile à dire parce qu'il y a régulièrement des éclairs, des choses comme ça, et à chaque fois qu'il y a un éclair, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose quoi dans la forêt, quoi. Ouais, mais moi j'ai survécu en milieu sauvage. Ah, certes. Certes, effectivement. Certes. Et ça te donne quoi, ça? Oui, ça te donne. Ouais, ça te permet de quoi, ça? Ça te permet de survivre. C'est du savoir-faire. Ouais, bah tiens, fais-moi un jet de. On va voir si tu sais la faire la différence entre une quelque chose et autre chose. Difficulté Difficulté. 3. Oh, Oh. joli, joli. Alors effectivement, tu arrives hein, à te rendre compte que parmi les ombres, il y en a deux qui sont pas naturelles. Il y a deux ombres qui vraiment, il y a. Mais ça apparaît ici ou là, mais tu penses qu'effectivement, il y a deux présences autour de la cabane. J'essaye de rentrer en contact avec j'ai ce pouvoir-là avec les Normalement, ouais. esprits. Je Tu peux peux parler leur aux parler, esprits. toi. Tu veux parler aux esprits?
Ouais. Ouais. Tu peux. Pour ça, faut qu'il y en ait. Bah oui. Faut qu'il y en ait. Et c'est pour Tu ça peux que je essayer. demande d'abord à mon ami Julian s'il détecte pas des esprits. Ouais, mais il l'a déjà utilisé son pouvoir, lui. Il peut pas la réutiliser? Voilà. Ou alors, Ah! je suis gentil et je lui fais faire un jet de savoir-faire. Oui. Du coup, je l'ai utilisé deux fois, non, le pouvoir. Ouais, mais après, tu Donc on a l'utilises encore. avec, tu l'utilises comme un truc normal, c'est-à-dire tu fais un jet de savoir-faire, difficulté 3. Ok, c'est ça. Prends une grande respiration. Ferme les yeux et je me concentre. Tais-toi. Oh, joli. Oh. Bah, c'est un petit peu comme la fois dernière, en fait. C'est, pour toi, ce sont pas des esprits. Il y a quelque chose, mais c'est pas des esprits, c'est pas des morts, c'est pas des. C'est différent. C'est pas des esprits, quoi. C'est pas des fantômes, quoi. C'est pas des esprits. D'accord. C'est pas quelqu'un de mort, c'est pas un esprit. C'est réel, quoi. C'est quelque chose de réel, ouais. Bah, je lui dis, J'aimerais je. essayer de C'est me quelque chose qui a, concentrer c'est quelque chose qui est à la pour. fois ré. Non? Réel, oui et non, c'est quelque chose qui est à la fois réel au sens où c'est matériel, mais pas réel au sens où c'est ça vient pas de ce monde, quoi. Ok. Bah, je leur dis ça, je dis, ce ne sont pas des fantômes. Ce sont des créatures tangibles, mais inconnues. On dirait qu'elles viennent d'ailleurs. Je n'ai jamais vu ça. Alors, on n'est que tous les deux dehors, hein. Donc, en Et fait, on se parle entre nous. ouais, il commence à Les autres sont pleuvoir un encore dans la max, hein. cabine. Ouais. Et Julian Cross, il va falloir Oui. rentrer dans la cabine. Nous ne sommes pas tout seuls. Et ce ne sont pas des esprits. Inutile de communiquer avec eux. Ah, je viens de te le dire. Rentrons dans la cabane. Prévenons nos amis. Bien, donc pendant ce temps, Je dans rentre. la cabane, Kigane et Coco, elle a regardé dans l'ordi, dans le téléphone. Alors, dans le téléphone, il n'est pas protégé par aucun code, donc tu n'as pas besoin de faire aucun jet. À l'intérieur, tu trouves un SMS avec des coordonnées GPS, et ce SMS a été envoyé par John. Ça Il y a oui c'était c'était envoyé il y a 4-5 jours. Non, il y a, ouais, il y a 4 jours à peu près. 4-5 jours, oui, 4 jours. et il a disparu il y a combien de temps? Bah il y a 5 jours justement non Je crois non pas. il y a 3 jours. Ah, peu importe. Bon. Oui, il y a 4 jours. Où sont John les a disparu. coordonnées? John a disparu il y a 10 jours et Vic a disparu il y a 3 jours. Et là, effectivement, le SMS date il y a 3-4 jours, quoi. Juste avant la disparition de Vic, quoi. Les coordonnées, ça donne où? Ici. Bon. La cabane où vous vous trouvez. Et là où je l'ai trouvé, c'était sous des lattes, c'est ça? Bah, il était Il était tombé, il tombé, était quoi. coincé un peu entre deux lattes, ouais, genre il était tombé et il s'était un peu glissé entre deux lattes, quoi. Je vais péter un peu les lattes, du coup, pour voir s'il n'y a Bah, pas. dessous, c'est la terre un peu, c'est la terre Oui, du machin, du. il n'y a T'arrives à pas de péter un trou peu quelques plancher, quoi. lattes? Non, c'est non, rien du tout. Enfin, bon, t'arrives pas Bon. à tout casser, mais bon. Essayons les personnes, en tout cas, utiliser les SMS pour piéger leur victime. Vous avez des trucs qui tournent là, genre caméra ou choses comme Ouais. ça? Ouais, Ouais. carrément. Tu On filmes est avec mis à ta caméra, c'est l'extérieur. ça? Non, mais est-ce que tu regardes dans la caméra, quoi? C'est tout ça la Ah oui, question. non. Ah, pas moi, en tout cas. Non? Coco, tu es Moi, à je la... t'es en regarde, train de ouais. filmer la caméra? Ben, effectivement, la caméra, elle grésille, elle pixelise. Il y a toujours le truc audio qui tourne. Ouais, ben, elle grésille aussi.
Bon, la Ok. question c'est comment se débarrasser de ces esprits? C'est une bonne question. Et moi, j'ai pas de réponse à tout ça. Ce que je sais faire, c'est de l'image et de l'audimat. Donc ça, va falloir demander ça à J'essaie nos de deux me chers collègues. concentrer pour trouver la réponse. J'ai des monologies. Effectivement, tu peux chercher dans tes infos. Ce J'aimerais que essayer. tu sais de... Le problème du Slenderman, ce que tu sais, c'est que le Slenderman n'est pas réellement un, comment dire, un démon ou un mythe. C'est quelque chose qui a été inventé de toutes pièces par des pour se faire peur, quoi. C'est du creepypasta. C'est quelque chose qui a été inventé de toutes pièces par des étudiants. Et ton opinion sur le sujet, c'est que c'est quelque chose, si tu veux, qui a été inventé artificiellement, mais à force d'y croire tellement, il s'est mis à exister réellement. C'est ça ton opinion sur le sujet. Du coup, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, j'ai envie de dire, de règles, parce que c'est pas un mythe dont tu vas retrouver dans l'histoire des connaissances. Ça va dépendre de ce que les gens qui l'ont créé croyaient. Hein, c'est un peu ça la difficulté. C'est un peu ça la difficulté. Donc du coup, la difficulté, c'est ça. Et le problème, donc ce que tu sais, en revanche, il y a quand même des choses, c'est que le Slenderman, lui, ce qu'il aime, c'est... Il a besoin d'électricité, il a besoin d'énergie, il se nourrit de l'énergie électrique qu'il y a dans les êtres humains, et il a surtout besoin d'une bonne quantité d'êtres humains pour se nourrir. Et quand il a fait le plein avec plein d'êtres humains pour se nourrir, eh ben, il s'en va et il veut part ailleurs, quoi. Et pour toi, il est vraiment en train de chasser pour essayer de rameuter un maximum de proies pour se nourrir. Et tu sais un peu aussi qu'il utilise ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire il utilise une de ses proies pour lui rapporter d'autres proies. Et ton opinion, c'est que John est ce proxy. Cette espèce de rabatteur qui ramène des proies pour lui. Voilà un peu ton opinion. Il doit avoir un endroit, il doit y avoir un endroit où le Slenderman accumule toutes ses proies, qui sont certainement encore vivantes d'ailleurs, mais sous hypnose. Comme par exemple, Bon. ouais, au parc, quoi. Bon, il va falloir un appart pour trouver l'endroit où le monstre où trouver le prédateur du prédateur et peut-être et retirer des proies encore vivantes et essayer d'étouffer la rumeur. Serais-tu partante pour refaire la proie? Vous me suivez bien, hein, les gars? Pardon? J'ai d'ailleurs trouvé une petite poupée de paille comme tout à l'heure, on pourra l'utiliser pour Vous me ça. suivez? Bien sûr qu'on te suit. Vous voyez Bon. la lampe de la cabane qui grésille, hein, qui s'éteint puis qui se rallume. Il arrive. Bon. Allez, pourquoi pas? Par la fenêtre, effectivement, vous avez l'impression de le voir dans la qui est, vous avez l'impression de voir cette fois non plus le proxy, c'est plus John que vous voyez, vous avez l'impression de voir vraiment le Slenderman, cette créature très allongée qui se tient là. À chaque fois qu'il y a un éclair, vous avez l'impression de voir cette espèce de forme noire, très allongée, qui n'a pas de tête, avec des bras très longs qui touchent presque le sol, et qui est là dehors. Du côté de la fenêtre, de l'autre côté de la fenêtre, un petit peu à mi-chemin entre
la lisière de la forêt et la fenêtre de la cabane. Il y a un éclair comme ça, un premier éclair, vous le voyez, puis l'éclair d'après, ben vous voyez plus rien, quoi. Bon, C'est il un y a peu deux ça. solutions. Soit on éteint la chose et on éteint la rumeur et il va disparaître. Mais ça signifie sacrifier des victimes. Ou alors Les victimes se réveilleront peut-être après tout, on sait jamais. détruire les proxys. Je n'y crois pas à détruire les proxys. Je pense qu'il en manquera toujours et la rumeur pourra revenir. Nous avons une arme actuellement. Si son pouvoir vient de la rumeur, c'est que nous sommes une chaîne de télévision. Nous pouvons le tuer. Il faut tuer la rumeur directement. C'est ça. C'est compliqué. Non, Ça on revient peut. à tuer Internet, c'est impossible. On peut pas tuer une rumeur comme ça. Nous faisons une émission, nous peut raconter qu'on l'a tué, que c'est fini pour lui. Ah, faire une mise en scène. Exactement. Et là, du coup, si on regarde par la fenêtre, il est toujours. Tu le vois effectivement, il y a un coup d'éclair et tu le vois de l'autre côté de la fenêtre avec la main posée sur la fenêtre. Ok. Et si on Et le trouve coup rien? d'après, l'éclair d'après, il n'y a plus rien. Et Tu as une si... crosse, on peut Oui. tuer un homme, on ne peut pas tuer une idée. Par contre, l'exorcisme est plutôt dans nos cordes. La caméra, vraiment, elle grésille. Les images s'arrêtent et puis ça repart. Très bien pour l'exorcisme. Mais je ne sais pas ce que je pourrais lui dire. J'étais un peu sceptique sur tout ça, mais là, clairement, on a affaire à quelque chose de sérieux. Allez, le Comme à sel. chaque fois, mon cher Louis. Ouais. Pardon. Ne te souviens-tu pas d'une femme qui était morte, que nous avions en face de nous, qui nous a fait voler dans sa chambre? Ouais, enfin, tu sais, toujours des Allons-y, trucs, hein. pratiquons de l'exorcisme sur ce lieu. Très bien. Sur la Sur ce cabane? lieu. Toi, tu penses, enfin, Coco, tu penses que Êtes-vous vraiment c'est pas sûr? là, c'est pas l'endroit où, c'est pas son antre, la Êtes-vous cabane, vraiment? hein. C'est ce que j'allais Ça, il doit y dire. avoir un autre Êtes-vous? endroit. Eh ben, dans Il y ce a un endroit, il y a un cas-là. endroit quelque part, sûrement, où il Voilà, c'est doit y ce que avoir, j'allais où dire. tu vas retrouver, où il doit y avoir toutes ces victimes. Êtes-vous vraiment sûr que la cabane soit l'antre de la bête? Non. Non, Très non. bien. Nous Allez-y. devons trouver et faire l'exorcisme et nous devons retrouver les autres, les proies. Le Allons-y. chemin des proies nous Je vais emmène servir de cobaye. au Proxima. Le Proxima nous emmène. Au centaure. Une théorie. Je vais J'ai servir de peur. cobaye, allez. Du coup, je J'allais dire prends. bison, mais le centaure, c'est aussi futé. La Du coup, lumière je à l'intérieur de la prends. cabane s'éteint. Ok, bah je vais allumer mes lampes. Je vais allumer toutes les lampes que j'ai sur moi, lampe frontale, maglite. Dans un éclair, là, tu vois effectivement accroché au plafond. Cette fois, c'est le proxy. C'est John, avec son masque blanc, qui vous regarde. Sa tête qui tourne à 360 degrés. Accroché au plafond de Ok, la cabane. John. John, tu m'entends? Putain, faites quelque chose, les gars. J'essaye de rentrer en contact avec lui. Ben, il n'y a Je plus fais personne. pareil. Il n'y a plus personne. Non, mais je vais servir d'appât. Vous me suivez, vous faites l'exercice, ok? Ok. Ok. Allez, c'est parti. Je m'empare de nos petites figurines. Tu prends, d'accord, tu prends. Bah, tu me refais un jet de se contrôler. Je vais pas le faire.
Je veux me faire voir. Ouais, mais le problème, c'est conscient, inconscient. Est-ce que ça se fait comme ça? D'accord, très bien. Et bah, pour une fois, espérons que je fasse un échec. Ok, difficulté 1. Se contrôler. Tu peux pas faire utiliser un point de ressource pour annuler un. C'est ça, à l'envers, c'est ça. Eh non! Du coup, c'est difficulté 1? Ouais, 2. Ouais, 1. Ouais, ben merci. Non, c'est. Effectivement, tu ressens un peu une décharge, une sorte de malaise. Hein. T'es terrorisé un peu, t'es pas bien, quoi. Bon. Louis Valderas, c'est notre destin. Non, mais moi je joue pas à ça. C'est terminé, on a fini de jouer là. Il faut. Pourquoi lui? Pourquoi? Ouais, parce que les images, on les a. Là, on est clairement en train de vouloir chasser ce truc là. Il y a ton Valderas, il y a ton téléphone qui sonne. Ok, je sursaute déjà. Oh, putain. Je sors de la poche de mon costard. Ma veste de costume et allô, putain c'est vous quand putain c'est Frac ici encore, il est là, on l'a vu, il est là. Marie a disparu, Marie elle est plus là, Marie, mais je suis avec Eve là, on est à la fac là, on est là dans le dortoir et Marie elle est plus là, il est là, on l'a vu, il a un masque blanc sur le visage, on l'a vu, il est par là. Où sont-ils partis? Ouais, je mets en haut-parleur. Je sens rien, par où il est parti. Ah, je sais pas. On l'a vu, on s'est caché, on s'est précipité, on a changé de chambre, on est allé dans une autre chambre, parti en courant, on est là avec Eve. Louis Valderas, c'est votre destin. Qu'est-ce qu'on fait? Au secours. Il est là, bon, il est à la fac, venez nous aider. Et si l'antre du chasseur était à l'université? Et du coup, ouais, je raccroche, croyances... je lui raccroche le nez, exactement, c'est ce que je pensais. C'est clairement les ça croyances, l'origine des croyances, c'est les croyances des étudiants. Mais oui, c'est directement la source. Allons à la source, alors. Bah go, hein. On remballe le matos, on éteint le générateur. On laisse tourner, peu importe. Non, on y va direct. Hein. On s'en fout. Hein. On reviendra chercher le matos plus tard, du coup. On dégarpille. Non, on s'en fout du générateur. Ouais. Vous retournez à la fac. Le matos et puis on y va, parce qu'on est aussi là pour tourner, hein, pour faire du show. Carrément. Alors, attendez. Bah oui, c'est il faut toujours un cobaye. Non, mais moi je retouche pas à votre truc là. Un cobaye à l'université. Bon, écoutez, je vais essayer d'être le cobaye et peut-être. Non, mais attends. Mais non, mais vous êtes fixé sur cette idée là, mais vous ferez rien avec ça. Quand on sera là-bas, je sais pas. Ok, on verra. Mais il y aura d'autres cobayes. Vous retournez vers la fac? Effectivement, vous retournez vers la fac. Vous garez en tromble devant le parc de la fac et effectivement, vous voyez un peu au loin ce qui semble être John qui tient par la main une étudiante. Ok. Okay, bon, on avance prudemment sans se faire remarquer. Ok, dites-moi, vous sortez tous du van, vous y allez à pied, vous emmenez du matériel avec vous, vous précipitez, vous. Alors on y va à pied et puis on le suit. Et puis on commence à se précipiter parce qu'il y a des jeunes filles qui nous ont demandé de l'aide. Moi j'ai même bien envie de tenter de l'écraser avec le van en fait. Dis ça. Moi, je vais remonter dans le van, moi en fait, je vais redémarrer le van. Et quand les trois autres sont sortis, et je fonce toute blinde sur le type. Ouais, mais enfin, il y a des obstacles entre temps. Hein. Je sais pas si c'est pas une route du coup. Non, c'est le jardin du parc. Il y a des arbres. Il est en train de disparaître à l'intérieur des arbres.
Ok, Entre entre les arbres dans la forêt. je fais 20 mètres du coup, et puis j'arrête le van, frein à main. Allez, on y va, on le suit jusqu'à Retrouve la mes demeure du esprits. monstre. Ben, Allez, on y on y va. va. Ouais, on y Et va, on on le y suit va. à pied, j'ai pas compris. Oui, ben On va le ok. suivre à Ouais, pied. on n'a pas le Ben, choix. vous 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 enfoncez dans la forêt. Vous le Est-ce suivez qu'il y a de... d'autres personnes? Est-ce qu'on entend d'autres bruits de pas, d'autres jeunes qui seraient déjà pris Oui, en est-ce qu'on cause? perçoit autre chose? Non. Non, 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 il y Ok. a... Il est en train de tenir... Non, non, il est en train de marcher en tenant par la main une autre... Une étudiante. Vous savez pas qui c'est. Que vous avez jamais vu avant. Ensuite. Ben on le suit, il va Vous nous emmener marchez à sa tanière. un bon moment. Vous avancez dans les bois, dans les profondeurs de la forêt. Vous comprenez, vous retournez à nouveau au parc où vous étiez précédemment, là où il y avait la cabane en fait. Vous êtes, ça prend bien une bonne heure de marche, et vous vous retrouvez à nouveau au parc, qui s'appelait l'Arabie State Park. Et vous voyez se diriger vers un peu une colline et des rochers. Et il s'enfonce sous des rochers. C'est un petit peu comme ça fait un peu comme si c'était une caverne. Et rentre à l'intérieur de la caverne où il fait vraiment noir, absolument nuit noire, quoi. Vous voyez disparaître à l'intérieur dans ce qui semble être une espèce de caverne sous des rochers. Et quand on le filme, c'est toujours la même chose, ça grésille, ça. Si vous approchez trop, ouais, l'image s'arrête. Ok. Bon. Bah, on va pratiquer l'exorcisme. Non, l'exorcisme, Vous êtes assez faut loin le encore de faire la à caverne, hein. l'intérieur. Vous êtes loin de la caverne pour l'instant. Au cœur Ouais, de on la l'a vu bête, entrer là-dedans, vous c'est l'avez beaucoup vu trop loin. disparaître dans une caverne, parce qu'à chaque fois vous tenez quand même, vous êtes prudent ce coup-ci, ou vous tenez particulièrement à distance, quoi. Ouais, c'est ça. À la C'est limite où la caméra se fige et... bon. Je sens que On on va n'aura pas avoir. d'image là-bas, donc ça sert à rien les caméras. On va juste prendre nos caméras embarquées. Ouais. Il y aura pas d'... Ouais, il y aura pas d'image non plus, je. Allez, on y va. Allez. Est-ce qu'on Ouais. ne laissait Bon. pas quelqu'un derrière qui enregistre le son? Si jamais nous devrions ne jamais revenir, que ce soit Je m'en occupe. enregistré pour notre dernier show. Je Je vais quand m'en même occupe. mettre un ouais avec Coco, on va mettre un trépied du coup avec une caméra, avec un plan fixe et la vision nocturne qui donne sur la caverne du coup. On va la laisser là. Ouais, allez, on y va. On va dans la caverne. Vous approchez de la caverne alors. Plus vous vous approchez, plus vous avez une espèce de sensation bizarre, un petit peu de comme si l'endroit était mais hyper chargé en électricité statique. C'est-à-dire que vos poils commencent à se dresser, vos cheveux commencent à se dresser sur la tête. C'est vraiment c'est assez désagréable quoi. Vous avancez, vous avez les cheveux tout droit sur la tête, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est hyper chargé en électricité. Et tout est extrêmement sombre, quoi. De temps en temps, il y a une grosse pluie. Enfin, vous êtes vraiment sous l'orage, là. On est en plein orage. Il y a le tonnerre qui gronde, les éclairs qui tombent de temps en temps et qui illuminent à droite à gauche l'entrée de la caverne. Mais vous arrivez devant l'entrée de la caverne, plus ou moins trempé, et les cheveux tout droit sur la tête, quoi. Je sais, on pourrait faire effondrer la caverne. Vous êtes juste devant l'entrée de la caverne. Je pourrais faire une petite bombe. Mais Ouais, ça serait entier le problème là. on va tuer ceux qui sont à l'intérieur. Ouais. Je peux Non, on va fabriquer ma. pratiquer l'exorcisme à l'intérieur. Oui, je Très pense. bien, On va allons-y. préparer, on va faire des torches pour les sortir de leur torpeur.
on va faire de la lumière qui ne peut pas s'éteindre par les esprits. Comment ça, okay. Ne peut pas s'éteindre par les esprits? Le feu. Tu comprendras. Je tiens à te rappeler, mon cher ami, que c'est une créature. Où tu seras éclairé. Tu y as pensé que c'était une créature tangible ou pas? Le feu, les bêtes ont peur du feu. Très bien. Allons-y. Allons-y, perdons trop de temps. Donc là, c'est-à-dire, on s'enfonce. C'est-à-dire, vous faites ouais. Quoi? On va s'enfoncer dans la caverne avec les maglites à la main. Mais on est brave. Ok, bah vous avancez un petit, vous commencez à vous avancer et la première chose que vous voyez, c'est des jeunes hommes, femmes qui se tiennent debout, immobiles, en petit cercle. Cercle, chaque fois il y a une dizaine de personnes. Ouais, ou tu vas dire une demi-douzaine de personnes, avec au milieu une personne en plus. Et toutes ces personnes, tu vas remarquer qu'ils ont tous les yeux révulsés en arrière, les cheveux tout droits sur la tête, et se tiennent tous par la main. C'est la première chose que vous voyez, un premier cercle, vous en distinguez un autre un peu plus loin, comme ça, de personnes qui sont comme ça, qui se tiennent par la main, les yeux révulsés en arrière, les cheveux tout droits sur la tête. Ceux qui sont au milieu, est-ce qu'ils ont un masque ou un truc? Non. Et on essaye de faire de rentrer en contact avec eux pour essayer de et de. Ils se tiennent par la main? Ouais. Ouais. Faudrait peut-être briser. Déjà, moi j'essaye de les faire se détacher les mains et tu fais ça comment? Le front contre leur tête, hein? Tu fais ça comment pour faire que je détache les mains? Bah, ils se les tiennent par la main. Bah, ouais. Je fais par la force. Ah, peut-être. Bah, fais-moi un jet de force, difficulté 4. Je propose que quelqu'un utilise le sel pour faire un cercle et puis on fait le. Enfin, on fait l'exorcisme ici. Et il forme un cercle, il y a quoi au milieu de ce cercle du coup? Il y a un autre qui est tout seul. Bah, tu vois que pas, c'est le Slenderman. T'arrives pas à séparer. Mais... Non, c'est un autre humain. Ouais, je pense que c'est celui qui est au milieu, ça doit être l'appât qui a utilisé le Slenderman en fait. Moi je suis un cercle de sel autour parce que j'ai pas réussi à leur détacher les mains. Un cercle de sel tout autour. Et je commence à invoquer et à essayer de rentrer à communiquer avec eux. Vous avez beaucoup de frissons à cause de l'électricité statique, quoi. Vraiment, ça a l'impression que ça grésille de partout. Ouais. Et puis l'ambiance également. Ouais. Quand on éclaire les visages, il y a rien qui se passe au niveau de leur. Non, non, ils ont les yeux révulsés. En fait, vous voyez, ils ont les yeux blancs, quoi, révulsés en arrière. Et ils regardent droit devant eux. Ils sont tous en cercle. Ok. Moi, je vais filmer avec mon téléphone. Tu filmes rien du tout, hein. Le téléphone, il filme rien du tout. D'accord. Il marche plus ton téléphone. Je suis dans le contact des esprits. Tu quoi? Moi, je fais le spiritisme aussi pour ouais. Entrer en contact avec le grand esprit qui est ici. Bah ouais, essaye, tu essaies, mais non, tu captes rien ici. Hein. Il n'y a pas d'esprit. En fait, par contre, ce que tu sens, c'est une charge électrique, mais phénoménale, quoi. T'as l'impression d'être à l'intérieur d'une centrale nucléaire, quoi. C'est moins l'impression que tu as, quoi. D'accord. C'est, j'aimerais aller essayer de pénétrer le cercle et toucher physiquement celui qui est au milieu. Pour ouais. Faire un peu comme les autres pour voir s'il est présent dans son propre corps, quoi. Avec cette cage qui enfermait l'autre. Bah, t'as un peu cette même impression. En fait, t'as l'impression que ça fait tellement longtemps qu'il est là à l'intérieur que c'est comme si son esprit avait fini par s'endormir, comme s'il était épuisé, qu'il avait abandonné, qu'il avait même
pratiquement plus aucune ressource. Comme si, tu vois, t'imagines un peu comme une batterie qui s'est vidée, quoi. Donc il est pratiquement vide, quoi. Est-ce qu'on peut le faire marcher? Genre le tirer pour qu'il marche et sorte? Il est vraiment très très raide, quoi. Bizarrement très raide, quoi. Comme s'il était, mais cloué, figé de marbre, quoi. Je lui donne une piste. Quand on est clair derrière, on est dans le fond de la caverne, il y a quelque chose. Non, la caverne est assez grande. D'ailleurs, vous voyez circuler un petit peu au milieu, s'approcher de vous, une espèce de grande créature qui fait plus de 2 mètres de haut, qui a un visage blanc, sur lequel il y a absolument rien, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de nez, il n'y a rien du tout. Et qui avance lentement vers vous, mais sans faire un seul bruit, quoi. Vous l'avez même pas remarqué, c'est par hasard en tournant vos lampes torches dans toutes les directions que brusquement vous l'avez éclairé, quoi. Il avance vers vous, tranquillement. Et j'essaye. T'entends ta radio dans ton. Lien. T'avais une radio qui tournait, ça, qui grésille de plus en plus de manière assez désagréable, quoi. Vos lampes torches ont l'air de. On même clignote un peu, quoi. Ça, plus ça approche, plus vos lampes torches semblent grésiller, clignoter. J'essaie. Là, il est à une dizaine de mètres et il avance tranquillement vers vous, sans se presser. Comme si pour lui, il venait à votre rencontre. Il a. Je lui dis d'arrêter. Je lui dis stop. Ça fait absolument rien. Rien à faire. J'essaie de défaire les mains. Fais-moi un jet de force, difficulté 4. Ouais, je vais l'aider également. Je vais utiliser un point de ressource. D'accord. Moi, je vais utiliser 2 points de ressource pour l'aider. Là, Louis, il est paniqué. Pour l'aider ou pour essayer de défaire des mains toi aussi, quoi. Je vais l'aider, ouais. Là, j'ai 4 et vite. Avec le t'as point fait de ressource. Quoi? J'ai pas compris. 1, 2, 3. T'as utilisé un point de retour, c'est ça? Donc t'as fait 4. Ouais. D'accord. Donc tu réussis effectivement à séparer, briser un cercle de main. Au moment où tu fais ça, tous les gens qui sont là s'écroulent par terre. Et tu vois la créature qui s'arrête. Et qui se remet à marcher vers vous. Il semble presser un petit peu le plat. Oui, il y en a une dizaine de cercles comme ça. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul cercle. Je fonce sur l'autre pour briser un autre. Lui aussi, t'as fait quoi? T'avais utilisé des. Ouais, j'en ai utilisé 2, donc c'est une réussite du coup. D'accord, t'as brisé un autre cercle alors effectivement. À nouveau, la créature s'arrête. Il fait quelques pas en arrière. C'est ce qu'il faut faire, faut briser les cercles. Aidez-nous, brisez les cercles, dépêchez-vous. J'imagine que ça résonne. Et tu vois la qu'il lève les. Il lève un peu ses bras, mais très très grands comme ça. Vous avez l'impression comme si ses bras semblaient s'allonger. Ça fait un peu des espèces de tentacules pointus comme ça qui commencent à les secouer un petit peu comme des fouets comme ça. Je vais me précipiter vers un autre cercle et charger tout mon poids sur entre deux bras, quoi, dans deux mains qui se tiennent. Je vais me précipiter pour tenter de briser un autre cercle également, du coup. De même, je vais briser un autre cercle, je vais utiliser 2 points de ressources. Pareil, j'en utilise 1. Alors attends, il faut que je note là vos points de ressources, hein, combien vous êtes là. Moi je suis à 2. Là, je suis à 2 points de ressources. Ouais, pareil, je suis à 2 aussi. Moi je vais en utiliser 3. D'accord. Il va m'en rester 2. Et donc, qui arrive ? Moi, puisque j'ai utilisé 1 point de ressources, donc ça fait 4 réussites. Moi, j'y arrive. Bim ! Ça fait. Donc vous avez effectivement brisé comme ça plusieurs cercles qui tombent, qui s'écroulent par terre. Les s'écroulent par terre. J'aimerais savoir où il est, Dakota Colson. Il fait quoi exactement?
Allô? Dakota Coulson, il s'approche de l'entité. Et ben l'entité, elle lance vers toi une de ses tentacules, de ses bras. Mmh. Il le tente, tu vas me faire un jet de se contrôler, difficulté 3. Mais je crois que toi, tu as se maîtriser ou un truc comme ça, donc tu as le droit d'y relance, oui. Non, t'as pas ça. Maîtrise de soi. De soi, ouais. Tu peux y aller, tu peux l'utiliser là. Difficulté 3. Même avec la relance. J'utilise un point de ressource. Normalement, ça s'utilise avant les points de ressource, normalement. Hein. Oui, c'est ouais, normalement ça s'utilise avant les points de ressources. Oui, bah tant pis, je n'utilise pas d'autres points de ressources. Aïe, aïe, aïe. Et là, bah, tu te retrouves, mais figé. Tu le regardes droit, t'es immobile et tu bouges plus. Et il s'approche vers toi, lentement. Sans se presser, tranquillement. Comment on a vu ça? Ah ben je sais pas si oui vous pouvez le voir effectivement on pouvait le voir ça oui. Moi ça m'étonnerait, je suis trop focus sur les cercles. J'aimerais foncer sur le chaman et lui faire un plaquage pour le défiger quoi en quelque sorte. Ok ben vas-y jette-le au sol. Tu me fais ben tu oui t'as aucune difficulté en fait. Tu le jettes au sol. Pas de difficulté ? Non, aucune difficulté, effectivement. Vous roulez boulet par terre. Vous roulez boulet par terre. Ah, ok. Ouais, non, on s'en fout. Par contre, je vais demander à Dakota Coulson de faire un jet de. Un jet de. Endurer, difficulté 4. Et si tu veux, est-ce tu peux utiliser. Maîtrise de soi, c'est du sang contrôlé. C'est du se contrôler. D'accord. Donc je vais donc, utiliser une ressource cette fois. Eh ben, c'est et bien. Je vais faire endurer. Très bien. Donc j'ai pas besoin de lancer le dé, c'est ça ? Si, il faut que tu fasses endurer. Difficulté combien ? 3, 4. Parce que là, t'as affaire au maître, là. Mais j'ai utilisé ressource. Hein. Oui, et tu l'as fait ou pas, là ? Je vois pas. Non, pas encore, endurer. Voilà, endurer. Ouais, mais même avec une, c'est pas suffisant. Même avec une, ça n'est pas suffisant. Donc, tu tombes à combien en ressources Je suis en à 5. Tu tombes à 5. Très bien, tu tombes à 5. Très bien, très bien. C'est cool, mais là, si on n'a pas de l'aide pour défaire les cercles, c'est compliqué. Il se retourne vers comment qu'il s'appelle, c'était Julien Cross. Ah oui, c'est qu'on se retourne vers Julien Cross. Oui, Julien Cross, il aime bien ce machin. Il me fait quoi? Alors, j'ai fait combien? Tac, j'ai fait. Deux réussites. J'ai fait deux réussites. Bah, ça tombe bien, c'est une difficulté 2. J'ai fait deux réussites. Et donc, ça fait quoi? Et ça, c'est quoi, comme il me dit? Il réussit à articuler et dire bonjour. Il a pas de bouche. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. Alors, hop. Je vais essayer de défaire un cercle. Hop. Tu perds 13 points de santé. T'es électrocuté. Tu te sens électrocuté. Tu perds 13 points de santé, notre ami. Bah, tu perds connaissance, en fait. Julian là. Okay. Tu reçois une méchante décharge électrique et tu t'écroules par terre. Électracuté. c'est vraiment toujours. C'est un peu le souffre-douleur à chaque fois. super, on va. Tout ce soit sur lui que ça tombe. Allez, on défait les cercles. Bah nous, ouais, on continue à défaire les cercles, je pense qu'on s'épuise. Effectivement, alors ce qui est... Vous utilisez... Effectivement, vous épuisez et vous constatez qu'en fait, au fur et à mesure que vous défaisez les cercles et que vous vous épuisez, le comment dire, le salon de bain, il semble grésiller lui-même.
Lui-même, il semble grésiller. Ça fait un peu comme si lui aussi, il s'épuisait, quoi. Ok, donc ça fonctionne. Enfin, c'est ce qu'on. Dakota Colson. Ah oui, Dakota Colson, lui, par contre, il est hypnotisé, lui. Il est toujours Il est out. hypnotisé. J'avais oublié, mais. Bah, refais-moi un jet de endurer, difficulté 3 cette fois. Cette fois, j'utilise deux ressources. Donc, c'est enduré. Ouais. Donc tu tombes à 3. Oh putain, c'est pas possible. Oui, non, mais t'as utilisé deux ressources, donc il faut les rajouter. Ouais, donc c'est Ah bon. oui. Et heureusement, Donc cette fois, donc ça c'est bon. passe. Donc effectivement, tu es par terre, Donc roulé dans une flaque je d'eau, et tu fais... Tu réveilles et et je t'as la sors de tête ma qui tourne. je Qui tourne. je sors de ma torpeur, je vois l'entité qui s'approche, je vois mon ami Junior Cross qui a l'air d'être mal en point. Qui est Je me incroyable, précipite vers lui ouais. et je le tire dans le sens opposé au à la bestiole. Très bien. J'essaie de voir si son s'il a un pouls. Il a un pouls, mais très faible. D'accord. Donc pas de massacre Dakota, les cardiaque. cercles, les cercles. Et Vous là, remarquez que je laisse le Julien. Slenderman, en fait, il semble se diriger vers la sortie du, la sortie du de la gro de la caverne. Ah. Donc ça nous laisse le temps de tenter de faire un maximum de cercles. Bah ouais. Ben, je vous aide. Effectivement. Bah, vous avez pas fait tous les cercles, en fait, il a déjà disparu, il est parti, il s'est enfui, quoi. C'est pas grave, on va défaire tous les cercles. Et bah, effectivement, vous Ouais. finissez par, alors je demande. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est impossible. C'est impossible. Il était en train de regarder s'il y avait moyen de récupérer notre ami Julian Cross. Ouais, bah pour l'instant, il est dans le coma, Julian Cross. À moins qu'il me fasse un jet de endurer, difficulté 4. C'est quoi? Inconscient. Ouais. Ah, c'est là, c'est marqué là. Attends. Ça, j'ai trouvé un Il a truc là. pris J'ai 13 trouvé un points truc toutes les d'initiative. 10 secondes, machin. C'est ça, endurer, difficulté Ça, 4. C'est bien ça. pour mourir, il faut qu'il C'est tout à il fait faut qu'il ça. ait plus de points de vie et plus de ressources. Faut qu'il fasse un jet de. Faut qu'il fasse un jet de difficulté 4. On peut pas l'aider, non? Enduré, difficulté Si. 4. Ils vont pas. Ben si, mais c'est difficulté 6. Tu peux essayer. Si, ils veulent pas. Julian Cross? Ah, c'est un échec. Et de toute façon, enfin, moi, c'est pas la priorité pour Luis Zameras. Et il peut Lui, il pas utiliser des s'acquitte points de ressources. Ok. à défaire les cercles. C'est la priorité, malheureusement. Un dé. Donc il faut que je lance un dé. Un dé. Pouf. 5. Ok. Donc je sais pas. Tel que je le comprends. Ouais, c'est ça. Donc je comprends. T'as 5 chances. T'as 5 chances avant de mourir. C'était ta première. Voilà. Ok, je Et dois faire un truc avec ces 5 chances là. ben, tu réessayes 5 fois. Cinq fois en durée. Donc voilà, difficulté 4. T'as Et combien de j'utilise dés? des Et ressources. tu peux pas utiliser les points de ressources. T'as combien de dés en Mince. endurée? Hop, Oh, putain, ping. c'est pas de chance ça. J'en ai 3. Ah, bah tu Ah, peux mais. pas réussir, c'est impossible quoi. Ben si, faut qu'il fasse 6. 6, Parce que parce que c'est c'est explosif les 6. explosif, ouais. Les 6 sont D'accord, explosifs. ok. Ouais, C'est bah pas c'est mal pareil. possible. C'est le dernier? Non, t'en as encore deux. Non, Encore t'as deux, ouais, encore c'est deux. ça. Allez, on croit en Oh toi. là là là. Et là, c'est le dernier, donc. Voilà, on Vas-y, croise les allez. doigts. On y croit, on y croit.
Je vais mourir. Oui. Oh putain. Oh putain. Oh putain, le suspense. Oh le suspense. Non mais sérieux. C'est splendide, quoi. Oh là là, sur le dernier jet, quoi. C'est sérieux. Eh ben, tu me récupères un point de santé. Tu me récupères un point de santé, effectivement. Et tu pourras dire que, en tant que médium, c'est quand même une expérience particulière parce que tu es quand même revenu d'entre les morts. Hein. Tu viens de me faire une belle NDE, là. Ouais. Et tu es parti ouais, très loin. Dakota, tu vas bien. Je suis pas sûr que tu sois en état de parler, hein, en état de râler, oui. Tu as failli rejoindre le territoire des esprits, mon frère. Vous repérez dans un coin. Tout va bien. Vous repérez dans un coin, comment ça s'appelle, John, qui a enlevé son masque blanc et qui bouge comme ça un peu d'avant en arrière. Comme si, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose, c'est un peu comme font les gens qui sont secoués ou machin. Ou... Et bah, et Vic aussi, Vic aussi, de... Vic était dans un des cercles, Vic. Ok. Bon, on essaie de tout te ramener à la raison, de toute façon, mais. Ouais, c'est ça. Bah, mon téléphone, ouais. Il fonctionne ou pas? Ouais, et ça repart. Téléphone est en train de repartir, vos cheveux retombent aussi, puisque vous avez rappelé qu'il y avait vous avez les cheveux tout droit sur la tête. Et je compose le 911. Eh bien, ouais, bah, tu leur expliques. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? Je leur donne la localisation de la caverne et je leur dis de venir immédiatement, en fait, d'envoyer du renfort, des secours, d'envoyer la police et ouais, des ambulances également. Eh ben, ils arrivent tout de suite, ils finissent par arriver. Enfin, ils arrivent, ils mettent un certain temps quand même pour arriver. Oui. Parce que on est quand même au milieu des bois, dans une caverne, machin, qui est pas forcément facile à trouver. Et ils finissent par arriver, effectivement. Ouais, et puis je leur précise, avant qu'ils arrivent, qu'il faut ouvrir une cellule psychologique ou quelque chose comme ça pour les victimes. Ouais, et effectivement, et ben, ouais. Et ben, effectivement, donc ils emmènent tout ce monde-là dans des hôpitaux, dans des surtout des hôpitaux psychiatriques, essentiellement. Enfin, ils emmènent Julian dans un hôpital normal. Pour commence à avoir une certaine expérience avec ça. On va refinir l'épisode sur la même image que l'épisode précédent avec Julian à l'hôpital et un bouquet de fleurs. Ça va devenir un gimmick. avec un paquet de chocolat puis un petit sac de sel. Ouais, voilà. Exactement. Tout le monde est là. C'est un peu comme ça que va se terminer l'épisode sur vous êtes tous à l'hôpital, Julian commence à aller mieux, effectivement il se sent un peu il est bien secoué, hein, il a quand même eu un quasi, il s'est bien fait électrocuter, il a fait une belle NDE pour un médium, c'est presque du, je veux dire, c'est son travail au quotidien de faire des NDE. Pour lui, c'est juste une habitude. Je suis impressionné. Je vous disais que vous n'aviez pas de talent, mais vous aviez un sacré talent. Et je pense que vous avez le potentiel pour devenir un bon Templier, un bon Illuminati. Et compétent. C'est formidable. Ah ben, aussi ridicule qu'elle puisse paraître, ça me fait très plaisir ce que vous dites. Et des nouvelles de John. John, vous apprenez que John a de grosses difficultés à se regarder dans un miroir. Chaque fois qu'il se regarde dans un miroir, il a l'impression de ne pas se reconnaître. Il a peur, il est terrifié. Il est dans une chambre d'hôpital psychiatrique roulé en boule. Vic se remet un petit peu mieux, mais a beaucoup de mal également à récupérer. Mais je pense que pour la chaîne, on fera des images des victimes
dans l'hôpital psychiatrique pour terminer un peu le reportage. Étant donné que toutes les images ne sont pas exploitables de l'intérieur de la caverne et tout le reste, on a perdu plein d'images. Ouais, et je vais mettre un Un petit hashtag. drama. Do not take Puppet. the The wooden puppet. puppets. Do not Voilà, c'est ainsi que se termine cette difficile enquête et sur cette image de toute l'équipe réunie autour de Julian qui a them. encore donné de sa personne jusqu'au bout, joué les héros. Et a miraculeusement survécu et revenu de l'au-delà. Y a des talents de rugbyman aussi pour avoir fait un très beau plaquage à Dakota. Exactement. Magnifique. Eh bien, je vais donc arrêter cet épisode ici. Merci beaucoup à tous.